C'est une belle équipe égyptienne qui s'est présentée face aux champions sortants, la Tunisie, pour le compte des huitièmes de finale de l'Afrobasket 2013. Le dispositif tactique mis en place par l'Égypte a constamment gêné la construction du jeu tunisien. Le quatrième carton ne changera rien. L'Égypte confirme sa réussite du jour. Score 77-67. La Tunisie est tout simplement éliminée. C'est une équipe capverdienne en difficulté qui s'est présentée devant le Congo. Et pourtant, le Congo ne partait pas avec la faveur de pronostic. Mais les joueurs congolais se sont mis en confiance. Une circulation de balles fluide, les paniers sont réussis avec précision et facilité. Ils s'imposent aux trois premiers cartons sans difficulté. Tous les regards sont tournés vers le dernier carton, le quatrième. Ici, les erreurs se payent cash. Capverdiens et Congolais se disputent les paniers, beaucoup de pression et d'inquiétude sur les visages. À 2 minutes de la fin de la partie, le Cap-Vert saisit sa chance et prend l'avantage. Le panier de Correa fait mal. Le Congo, perturbé, laisse échapper la qualification au profit du Cap-Vert. Score 67-60. Le Cap-Vert passe.